que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est celui de Matthieu 5, les versets 29 et 30. Dans ce texte, le Seigneur nous exhorte à avoir le courage de nous séparer d'éléments tels que des habitudes, des coutumes, des traits de caractère qui certes nous définissent ou font partie de notre quotidien, mais qui en réalité ne nous font pas forcément du bien. Nous devons avoir le courage de laisser tomber ces choses si nous voulons avancer léger vers notre destinée. Ainsi, le Seigneur va nous encourager à entrer manchot au paradis plutôt qu'avec les deux bras en enfer, à entrer borgne au paradis plutôt qu'avec les deux yeux à l'enfer. Pour dire qu'il y a des choses qui sont très proches de toi, mais en fait qui vont t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'était mon cas, dans la mesure où par nature, j'étais une personne extrêmement propre, extrêmement portée sur la propreté, au point que cela devienne un handicap, au point où cela frisait le côté maniaque. Et j'ai dû à un moment donné renoncer à ce trait de caractère pour pouvoir vivre en bonne intelligence avec mon entourage, pour pouvoir être une source de bénédiction pour les autres en étant une personne patiente. Notamment pour devenir un bon pasteur, il était important que j'abandonne ce trait de caractère. Tu as besoin de prendre une décision et d'abandonner des choses, des amis, des habitudes pour entrer justement dans la destinée que Dieu a prévue pour toi.